Ouais, ben un matin, il pleut. Je pensais pas me faire réveiller par la pluie, puis surtout en quantité. Je sais pas si vous le voyez, là, mais on dirait que ma tante a pogné un peu de mou pendant la nuit, là, puis là, j'ai pas du gros lousse pour me ramasser. Chanceux quand même, là, pour le prix qu'elle a coûté, là, elle a de l'air à toffer. C'est clairement pas ma MSR, mais c'est ça qui est ça. Hein? On peut pas tout avoir dans la vie. Fait que là, je pense que j'y goûte un peu. On manque de place pour se ramasser, pour s'habiller. Puis là, j'ai pas de hauteur pour ma tête. Je suis à côté, là, je suis à moitié assis. Fait que là, on y goûte. Ben, ça fait partie de la game, puis c'est ce que je voulais vivre en fin de semaine. Mais j'avais pas. M'étais pas mindé hier à ça. Mais là, ça a l'air que j'ai pas le choix, faut que je fasse avec. Ouais, ben, bataille, ça a fini par se calmer. Le temps que j'aille au bloc sanitaire, puis tout. C'est comme tout le temps sur le bord, hein. Quand il se met à vanter, tout le temps l'impression qu'il va nous en tomber un petit peu encore. Mais en tout cas, peu importe, là, j'ai comme faim. Fait qu'il faut que je déjeune. Fait que ben, je vais faire ma petite routine. Là, je pense que je vais faire mon petit café. Je suis prêt à faire chauffer mes affaires. Fait que je vais faire mon eau chaude, mon café, mon eau chaude pour mon petit gruau de Apiac. Puis je vais pouvoir vous donner des nouvelles aussi de ce petit déjeuner-là. Qu'est-ce que ça donne? Un granola aux framboises. Ça va être bon. Dans le fond, c'est quasiment le même principe que qu'est-ce que j'ai mangé hier, mais avec des framboises puis une petite saveur de vanille. Ça va être le fun. C'est sûr qu'il y a toujours un peu de sucre là-dedans, là. 41 grammes. Ouais, ça va être sucré. Ouais, ben, il y a des beaux morceaux de granola là-dedans. Avec les petites framboises qu'on voit là. Fait que là, moi, mon eau, elle vient de finir de bouillir. On va mettre ça là-dedans. Granola est quand même le fun. Là, il y a encore un petit peu de croustillant parce qu'il y a les graines de, il y a les graines de citrouille puis les amandes qui sont là. Les framboises, à force de brasser mon déjeuner, ils finissent par tout se défaire. Puis là, je les perds. J'ai plus les beaux gros morceaux que j'avais au début. On les voit quand même. On voit les petits grains là. Ça fait beau. Ça teint un peu le granola, un peu rose. Ouais, ben ce petit granola-là, à force d'en manger, au début, j'étais comme bien enthousiaste, là, mais on dirait que là, le goût du sucre embarque. Puis moi, ben faut que je me watch le matin. Si je mange trop sucré, là, mon système part en peur, il en veut plein, puis à un moment donné, il tombe en carence, on appelle ça de l'hypoglycémie. Tu sais, j'avais donné une belle note, là, mais c'est plus que je descends dans le sac, moins que ça me tente. J'irais peut-être avec un 8 pour le taux de sucre à l'intérieur. Je vais le finir, là, mais tu sais, ça va être forçant. Tain, je voulais vous montrer un peu le classique pour moi quand que je randonne après le déjeuner, ce que je m'emmène pour dîner, grignoter puis tout ça jusqu'au souper. Ceux qui me connaissent savent bien que je peux pas me passer de ça, des bonnes petites nouilles ramen. Ça, c'est des petites barres protéinées qui font toute la différence. Ça me permet de passer à travers mon après-midi assez facilement. La petite gomme pour tout le temps garder la bouche humide sans nécessairement boire de l'eau à outrance, même si de ce temps-ci, j'en bois beaucoup. Puis le petit trail mix avec un petit kick là, de sucré. Mais tu sais, c'est vraiment une, deux, trois, quatre dans un paquet de même, genre. Fait que c'est juste une petite récompense au fur et à mesure que j'avance dans mon sentier. Fait que tu sais, à travers mes noix salées, ben j'ai un petit morceau de sucré qui est quand même pas déplaisant.
Fait que là, comme c'est là, moi je suis de site. Puis là, je vais avoir à parcourir tout ça. Fait que ici, comme c'est là, c'est, on suit un petit ruisseau. Il y a des chutes, c'est beau à voir. Après ça, quelque part ici, là, ça se met à vouloir remonter un peu. Puis là, là, ça culmine jusqu'à ce point-là. Après ça, on traverse le chemin là, que je vous ai montré l'autre jour, qu'on pouvait aller au Mont-Saint-Joseph ou au Mont-Mégantic. Là, ici, à partir de site, là, ça se met à descendre, là, jusqu'à l'accueil. Là. Fait que le nombre de kilomètres, je ne sais pas pantoute. Moi, je suis pas genre à voir les chiffres dans ma tête drette là. Je fais pas de recherche. Je me fie tout le temps à ce que je vais voir sur le sentier pour m'aligner. C'est le bâton. Fait que là. D'après moi, on est capable d'avoir cette information-là en quelque part. Ah, il y a une pancarte ici. Ouais, là, ils parlent juste de leur sentier à eux autres. Parce qu'il y a une pancarte ici, mais ils parlent plutôt là, des randonnées qu'on peut faire sur le secteur de Franceville. Mais on n'a pas la statistique là, pour faire la traversée. C'est combien de kilomètres d'un accueil à l'autre. Mais il me semble que c'est autour d'un 13,5 km que j'ai à faire. Là, ben, en plus, il a arrêté de pleuvoir. Ça fait peut-être un heure, ça fait qu'on voit l'asphalte commence à sécher. Ça, c'est cool, mais c'est cool dans le sens que ça sèche, mais ça fait remonter l'humidité. Yeah! Ouais, ben quand que je vois un sommet de même, ça me donne juste le goût d'aller le monter, mais aujourd'hui, c'est pas ça, la cédule. Mais c'est clair qu'il va falloir que je me cédule un rendez-vous éventuellement avec cette petite montagne-là. Ouais, ben ça fait 30 secondes que j'ai enlevé mes pantalons parce que je suis arrivé à un site où il y avait une table de pique-nique. Fait que là, j'ai décidé de sortir mes mollets. Mais il va falloir que je les rabrille parce que là, on vient de retomber dans le secteur un peu pas mal plus sauvage. Là. Puis là, il vient de pleuvoir. Le foin est humide. Je vais me gratter parce que j'ai comme une petite tendance quand que je fais la pelouse. Je m'envole du foin sur moi puis je me gratte. J'ai l'impression que j'ai une petite allergie. Puis en même temps, c'est quasiment une bonne affaire parce que du foin de même, ça cache des tiques. Fait qu'il faut faire attention à ça, surtout dans le canton de l'Est, là, c'est pire. Fait que j'aurais comme pas le choix. Bataille. Là, j'étais bien, là, j'ai réussi à faire sécher un peu l'humidité qu'il y avait sur ma peau. Mais il va falloir que je me réveille, je vais avoir chaud. Mais ça fait partie de la game. Fait que là, il va falloir que je droppe mon sac en quelque part, parce que c'est pas trop humide. Je pense que direct ici, là, ça va être parfait. Là. Direct à la base de cet arbre-là. Là. On va remettre mes bas de pantalon, bataille, puis on va repartir. Après ça, plus serein. Il y a plein de points d'intérêt à Franceville que quand je l'ai fait, pas cet hiver, mais là, quelques hivers. L'hiver, on s'en rend pas compte de ça, mais ici, là, vraiment, le ruisseau, c'est un point d'intérêt, je pense, qui est majeur, plus les autres sommets qu'on peut parcourir aussi. Fait que c'est un beau camping, en plus, que j'ai vu, qui est quand même très récent. Les sanitaires, tout est neutre, c'est cool. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est proche de chez nous, c'est vraiment à découvrir. Si on pourrait emmener nos chiens, mais on peut pas emmener nos chiens, ça, c'est triste. Ouais, quand j'ai vu ça en arrière, ce sentier se trouve dans l'arrière-pays. Du parc. Ben, ça me fait toujours penser, quand j'ai vu ça la première fois, c'est genre dans Charlevoix, dans le parc des Grands Chardins, ou en Gaspésie, quand tu vas faire les chic-chocs, des affaires de même. Mais, ben, il y a de la mouche. Je pensais pas voir ça ici. Je trouve ça drôle.
Mais c'est vrai que c'est un peu reculé comme sentier, mais je ne sais pas si j'aurais osé le qualifier de arrière-pays, surtout quand tu t'en vas dans Charlevoix et tu vois c'est quoi l'arrière-pays. Tu t'ennuies de ta mère là-bas. Là. C'est la côte nord. Ça, c'est l'arrière-pays. Mais ici, ça me fait sourire un peu. Ça, c'est un autre petit fruit qu'on peut manger. Mais c'est sûr, si vous n'êtes pas sûr de toutes ces affaires-là, là, aventurez-vous pas à déguster des petits fruits comme ça, que vous ne connaissez pas la toxicité. Mais moi, ça fait des années que je mange des petites affaires là-même dans le bois. Le nombre de ça, il faudrait que je trouve. Je sais pas si c'est ça que mon beau-père appelle des quatre temps. Mais mon beau-père, c'est comme une bible un peu sur ces petites affaires-là qui viennent de sa mère. La poriculture. Je pense que c'est le genre de choses, le petit cours que j'aimerais suivre à un moment donné, pour savoir comment se nourrir dans le bois. J'en connais déjà pas mal, mais tout ce qui est champignons qui fait bien peur à ma blonde, je connais rien là-dedans. Mais les petits fruits, je m'en viens pas pire. Franchement, là, je m'en viens pas pire qu'ailleurs, mais... C'est ça. Vous, risquez-vous pas à vous aventurer dans des choses que vous connaissez pas parce qu'il y a des produits qui sont vraiment des c'est pas des petits fruits, mais en tout cas, il y a des trucs qui ressemblent à des petits fruits qui peuvent être extrêmement toxiques. Faites attention à vous. Renseignez-vous. Ouais. Faites ça. Tout à l'heure, où ce que je me suis ravitaillé, l'eau était facile à aller chercher, mais ici, on l'entend. On l'a voué. C'est à peu près 30 pieds plus bas, puis c'est comme un canyon. Là, des affaires de main, il ne faut jamais oublier qu'on est dans l'arrière-pays, puis même s'il y a de l'eau là, puis qu'on a soif, on est mieux de persister pour essayer de se trouver un plan autre que d'aller se casser une jambe juste pour boire deux gorgées d'eau. Fait que faites attention, quand vous êtes dans l'arrière-pays, il faut toujours continuer à réfléchir. Surtout faire attention à nous. Comme là, je sais que je vais avoir une montée à faire, que j'avais besoin d'eau, puis qu'il allait éventuellement m'en manquer pour que ça devienne dangereux, mais c'est pour une question de confort. Là. Si j'ai soif, je veux boire. Fait qu'il faut prévoir d'avance. Ah, je m'en viens dans un secteur plus difficile, l'eau est là, okay, tout de suite, on se ravitaille pour éventuellement être capable de faire la traversée sans être assoiffé. Parce que je sais que la montée est difficile, je l'ai déjà fait cet hiver. Pas cet hiver, mais... Un autre hiver à un moment donné, là, je ne sais pas trop quand. Mais je voulais surtout vous prévenir de ne pas avoir la mauvaise idée de vouloir descendre à travers les épinettes-là pour aller vous chercher trois gorgées d'eau parce que vous êtes assoiffé, une affaire terrible, parce que vous n'avez pas pensé à votre affaire. C'est sûr, entre mourir et se casser une jambe pour aller boire, je préférais aller me casser une jambe, descendre, aïe, boire, puis essayer de me trouver une manière de m'en sortir, plutôt que de dire, là, je suis direct à côté, puis je risque de mourir si je ne bois pas. OK, je préférerais aller me casser une jambe. Mais là, non, j'ai prévu le coup. Fait que là, ben on continue. Là, ça commence à monter un petit peu plus. Là, c'est comme des faux plats. Je le sens que ça monte. Mais c'est, à l'œil, ça paraît pas tant que ça. C'est ses cuisses qu'on le sent. Fait qu'on continue. Moi, dans la vie, j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Juste mes petites nouilles en randonnée, c'est parfait. Puis manquerait des arachides, je vais passer à travers mon inventaire. Ça, c'est triste, par exemple. Mais ça sera pas trop long. Là. Dans une heure, je devrais être à l'auto. Fait que direction le petit dépanneur de Notre-Dame-des-Bois. Un petit café, un peu de sucre, puis un peu de salé, je pense. C'est ça que je me dis pour me motiver. Tiens, me revoilà... À mon campement que j'ai utilisé mercredi soir. Fait que ça me permet de boucler la boucle.
là, ben, j'ai décidé de prendre le grand chemin justement pour descendre vers mon automobile, là, vers l'accueil du Mont Mégantic. Prendre ça plus chill. Parce que ça va avoir été quand même une randonnée. Je pense que c'est autour de 27 km. Là. Je vais vous laisser sûrement le kilométrage en quelque part dans l'écran, dans un des coins. Là. Puis ce que j'ai pensé de ma randonnée, ça a été vraiment ce que je visais. Puis j'avoue que j'ai été un peu... Je me suis sorti un peu de ma zone de confort, surtout un matin avec l'orage puis tout. Je me demandais comment j'allais gérer ça. Parce que ma tente est vraiment minuscule, juste pour s'habiller, c'est un casse-tête. Là, en plus, les crochets avaient commencé à arracher, j'avais quasiment le toit sur la tête. Ah, il va falloir que je check ça. Fait que pour cette petite randonnée-là, je vous la propose. 27 km. Quand même, il faut y penser. 48 heures, il faut être équipé pour. Mais sinon, vous pouvez le faire avec la CEPAC. Ils ont tous les setups pour pouvoir vous faire faire un beau séjour à votre goût, style de campement que vous désirez. Puis là, en plus, ben eux autres, ils peuvent... Si vous êtes plus ou moins en forme, si vous voulez juste marcher, bien, vous pouvez toujours faire monter vos bagages dans un prêt-à-camper. Quand même, la CEPAC ont des beaux setups. C'est ce qui va conclure mon petit vlog de randonnée dans la traversée des Monts Mégantic. Ça fait que si vous avez aimé cette petite vidéo-là, ben laissez-moi un petit pouce en l'air puis partagez. Si vous voulez aider aussi à la chaîne à grandir encore davantage, ben parlez-en autour de vous. Puis actionnez la petite cloche aussi quand que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Vous allez être tout de suite averti. Comme ça, vous n'aurez pas à attendre pendant des jours à savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo. Vous allez être averti à l'instant même. Fait bien, moi, je me dirige tranquillement, pas vite, vers mon auto. Après ça, un petit classique, quand je suis dans le coin, je m'en vais tout le temps au petit dépanneur à Notre-Dame-des-Bois pour me chercher un café et quelques sucreries pour me redonner un peu de gaz pour finir ma journée, parce que sinon, je m'endormirais direct là. Je me coucherais dans le bois, là. Puis je ferais une petite somme. Mais en sachant que j'en ai juste pour 2 minutes... Je peux bien m'endurer. Fait que je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette petite vidéo-là. Puis on s'en voit la prochaine, qui va peut-être être encore la randonnée en itinérance. Mais là, je vais faire un mini-bout dans les sentiers frontaliers, juste pour continuer à expérimenter encore mon stock, parce que je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. J'ai des petites affaires à ajuster. Ça fait qu'à la prochaine.